Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics un peu spéciale où exceptionnellement je vais faire la review de deux titres dans une seule vidéo pour que premièrement moi je gagne un peu de temps à les faire et aussi je fais ça parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur les deux titres, c'est-à-dire que ce serait des reviews assez courtes donc je préfère faire les deux d'un coup comme ça, voilà, ça fait une vidéo d'environ 10-15 minutes mais j'ai fait les deux titres d'un coup puis voilà c'est plus pratique pour moi puis bon, je pense pas que ça changera grand chose pour vous. Donc les deux titres que je vais présenter, donc c'est les deux hardcover qui sont Justice League l'autre terre et Green Arrow tome 1. Je vais d'abord faire la revue de Green Arrow tome 1 puis je finirai par Justice League l'autre terre. Green Arrow tome 1, niveau de l'édition, j'ai rien à dire, couverture choisie impeccable, et les bonus, bon, voilà, il y en a quelques-uns, mais en même temps, avec un tome Renaissance, on s'attend pas non plus à énormément de bonus. Au niveau des artistes présents sur le titre, on a Jeff Lemire au scénario et Andrea Sorrentino au dessin. Au niveau du scénario, un scénario extrêmement bon que Jeff Lemire nous propose sur ce tome, qui est très bien rythmé, du début à la fin on s'ennuie pas, à chaque nouveau chapitre on a envie d'avoir la suite. Son lot de révélations au fur et à mesure de l'histoire, c'est-à-dire que dans ce tome de Green Arrow, on va apprendre beaucoup de choses sur le passé du père d'Oliver Queen, par exemple. On va apprendre aussi que si Green Arrow est devenu un archer, ce n'est pas pour rien, que ce n'est pas un hasard. Voilà, on va apprendre tout au fil du récit, pas mal de révélations, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Enfin, moi, personnellement, il y a plusieurs fois où dans le récit, j'ai vraiment été sur le cul avec certaines révélations. Voilà, moi, j'ai adoré le scénario, en lui-même il est vraiment très bon. Voilà, il y a des espèces d'épisodes assez intrigants et tout, et voilà, moi j'ai vraiment adoré globalement l'histoire en quelques mots. Enfin, le début c'est tout simplement le patron de Queen Industries qui va se faire assassiner devant Oliver Queen, et les gens vont croire que bah, c'est Oliver Queen qui l'a tué, donc, alors que c'est pas vrai, vu que lui il était en train de lui parler au moment où il se fait tuer. Il va devoir s'échapper, il va être poursuivi à la fois par la police et aussi par le vrai meurtrier de Emerson, qui était donc le chef de Queen Industries. Voilà, donc il va avoir pas mal d'emmerdes, il va se retrouver à un face-à-face contre Komodo et... il va se retrouver face à face contre Komodo, il va y avoir un affrontement, Green Arrow va vite perdre, on va dire ça comme ça, il va se trouver que Komodo est plus fort que lui. Heureusement, il va être sauvé par un personnage énigmatique qui se fait appeler Magus, et il va lui dire, comme je l'ai déjà dit, que si Green Arrow est un archer, enfin si Oliver Queen est devenu archer, ce n'est pas pour rien, et il lui dit qu'en gros, il y a pas mal de choses qu'il ignore sur son père. Voilà un peu pour l'histoire, je ne rentre pas en détail. Globalement, c'est une histoire vraiment très bonne, très bien racontée par Jeff Lemire, et voilà, c'est... Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré, j'ai pris mon pied du début à la fin. Ensuite, niveau dessin, parce qu'en plus d'être super bien raconté par Jeff Lemire, Andrea Sorrentino nous fait des merveilles sur cette série. Dessinateur que je ne connaissais pas jusque-là, et là, bah, j'ai pris une grosse claque sur cette série. Des scènes d'action hyper bien faites de sa part, des panoramas juste ahurissants, c'est vraiment vraiment à tomber par terre. Il y a plein de pages plus belles les unes que les autres, comme par exemple regardez-moi ça, c'est juste une grosse claque visuelle de la part de Sorrentino. Franchement, ce dessinateur vraiment vraiment incroyable, et regardez-moi ça aussi, enfin bref, une grosse tuerie monumentale en termes de dessin. J'ai pas d'autre chose à dire, quoi, c'est magnifique du début à la fin. On prend des claques à chaque numéro. Moi, j'ai aucun défaut à lui donner au niveau des dessins, c'est parfait, à mon sens. Voilà, donc vous l'aurez compris, Green Arrow tome 1 est un gros coup de cœur en ce qui me concerne. C'est vraiment, vraiment un indispensable dans les New 52, à mon avis. À mon sens, faut pas passer à côté. Cette série fait largement partie maintenant de mes séries préférées dans les New 52. Voilà, faut vraiment, vraiment le prendre. C'est un indispensable des New 52 pour moi, assurément. Voilà, donc prenez Green Arrow tome 1, vous le regretterez pas, croyez-moi. Ensuite, on va passer à Justice League, l'autre terre, de Grant Morrison et Frank Whiteley. Donc, un comic de 144 pages. Au niveau des bonus, là, pour le coup, on en a énormément. On a une vingtaine de pages, à peu près. C'est très intéressant, parce qu'on a, en fait, les scripts de Morrison, les indications de ce qu'il doit faire aux pages, que Frank Whiteley doit faire aux pages. Enfin, c'est vraiment génial, je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ces bonus, pour le coup. Après, on a aussi les carnets de croquis qui font toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, énormément de bonus, en même temps je m'y attendais, hein. En général pour les tomes comme ça, DC Deluxe, ouais, voilà, il y a pas mal de bonus en général, et là c'est le cas et ça fait toujours autant plaisir.
Donc Justice League l'autre Terre, je l'ai pris surtout, je vous l'avoue, parce que voilà, c'est on va dire le Forever Evil qui m'a un peu beaucoup incité à le prendre. Pour l'instant le syndicat du crime, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors je dis bon bah je vais le prendre, même si à la base Grant Morrison je suis pas du tout fan. Là je vais me faire un peu huer, mais bon voilà c'est le cas, j'aime vraiment pas trop ce qu'il fait. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là, c'est vraiment excellent, mais moi ça me plaît pas. Et ensuite, il y a aussi Frank Whiteley que je ne suis pas fan non plus. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ses visages, par exemple. Voilà, donc bon, au niveau de la review, voilà, bah, c'est le cas. Les dessins, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais que c'est un artiste qui est beaucoup, beaucoup adoré, ce dessinateur, mais moi, je n'accroche pas énormément. Alors, j'avoue que je suis moins. Comment dire? J'aime mieux qu'au départ. C'est. Voilà, Il y a des pages vraiment belles. Après, c'est loin d'être ce que je préfère quoi, en termes de dessin. Je vous dis, il y a des visages, je n'aime pas. Franchement, je n'aime pas. Voilà. Après, c'est un goût personnel, je pense. De toute façon, les dessins, c'est très subjectif à mon sens. Voilà, c'est les goûts, les couleurs quoi. D'une personne à l'autre, ça peut varier. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi, ça me plaît pas énormément. Même si je l'avoue que je partais très sceptique et finalement j'ai été plutôt agréablement surpris. Voilà. Ensuite au niveau de l'histoire, bon j'ai bien aimé. Ce qui me fait surtout peur quand il y a Grant Morrison, c'est que je comprenne pas. Là pour le coup j'ai tout compris globalement. Enfin du début à la fin c'est assez clair, je trouve. L'histoire est vraiment sympa. Donc c'est tout simplement sur Terre 3, on a le Lex Luthor de Terre 3 qui va s'évader et qui va se rendre sur la Terre 1. Et qui va demander à la Justice League de l'aider afin de vaincre sur sa terre le syndicat du crime. Et donc il va les emmener sur Terre 3. On va rencontrer les différents membres du syndicat du crime. Vraiment, vraiment intéressant. Encore une fois, ce groupe, c'est vraiment des personnages très. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de personnages qui ressemblent étrangement à notre Justice League, que ce soit Ultraman, Allman, Superwoman, Johnny Quick ou encore Power Ring. Voilà, on a Power Ring, on a Johnny Quick par exemple qui est un espèce de drogué, Ultraman qui est très violent, enfin voilà, moi j'ai bien aimé l'histoire, c'est vraiment sympa. Après je sais pas si y a des sens cachés ou quoi, moi j'en ai pas vraiment vu. Mais voilà, l'histoire m'a plu dans l'ensemble, j'ai pas non plus adoré, voilà, c'est pas ce que j'ai le plus préféré. Globalement ça m'a bien plu. Mais ça m'a pas non plus transcendé. C'est pas un comics que j'irai lire, que j'irai ressortir et relire une deuxième fois, je pense. Donc voilà. Je m'attendais pas à plus. Voilà, j'ai pas été déçu dans l'ensemble. C'est une bonne histoire, bien racontée et avec des dessins qui moi me plaisent pas trop, mais qui font quand même, qui sont font quand même, qui m'ont pas trop dérangé à cette lecture. Voilà. Donc maintenant je vais passer aux notes. La note que je mettrai à Green Arrow tome 1, ça sera un très bon 4,5 sur 5. Je le conseille énormément, énormément ce tome. Faut pas passer à côté. Et la note que je mettrai à Justice League d'autre Terre, ça sera un 3,5 sur 5. J'ai pas non plus pris une grosse claque avec ce récit, mais je le conseille quand même. Voilà, si comme moi vous êtes intrigué par le syndicat du crime, prenez-le. Je pense que vous allez plutôt aimer. Puis bien évidemment, si vous aimez Grant Morrison, je pense que faut pas passer à côté et vous n'allez pas être déçu. Voilà, bon écoutez, j'ai pas d'autre chose à dire hein, globalement. Moi je vous dis à la prochaine pour. Alors oui, il y a le point sur le tome Green Lantern. Normalement, je ferai la review du Geoff Johns Green Lantern tome 1. Mais je sais pas trop quand, pour l'instant. J'hésite à la faire tout de suite après. Donc je pense qu'il y aura d'abord un Achat Comics et Info, qui sera très chargé en kiosque. Et après, peut-être que j'embrayerai sur la review du Geoff Johns. Alors, bon, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Donc, je préfère pas dire de conneries. Ce que je vais dire, ce que je vais me contenter de dire sur Geoff Johns présent Green Lantern, c'est la review arrivera. Mais quand? Telle est la question. Voilà. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. La review, elle arrivera normalement, c'est sûr. Mais après, quand? Je sais pas. Je pense que ce sera d'abord un Achat Comics et Info avant que la review sur ce Geoff Johns arrive. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour un Achat Comics Info comme j'ai dit normalement, ou alors une autre vidéo, enfin bref, à la prochaine, prenez soin de vous et à plus tout le monde.